Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est mardi après-midi, rendu presque 3h déjà. J'ai vraiment pris ça relax aujourd'hui. J'ai été me faire couper les cheveux. Fait que je suis contente. Je sais pas si ça paraît là, mais. C'était juste dans le fond pour aller me les faire couper un peu, me les faire amincir parce que moi, ils poussent vite puis ils apaisent vite aussi. Puis depuis que je les ai courts, je veux toujours les avoir plus courts. Je sais pas si je vis. Je pense pas être la seule à vivre ce. Comme de. Pas de dilemme là, mais de. Pas ce problème-là. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Là, j'ai fait une sieste. Je suis vraiment poquée. Mais regarde, j'en avais besoin. Mais là, ça me tente de faire du ménage. Parce que hier, on a commencé. Je vais vous montrer. On a fait du ménage hier soir dans notre. Comme de dessous de vanité. Là, je sais pas si vous comprenez. Je vais vous montrer. Genre, ça, c'est toujours un ramassis de comme plein de trucs. Même encore là, on dirait qu'il y a tant. On a tellement de choses que c'est pas tellement à l'ordre, mais je vous jure que ça l'est plus. Là, j'ai mis plus les trucs pour le bain, mes bombes, des lipsils, des trucs comme plus pour sprayer là, dans les âges, dans notre eau de linge. Du coup, des pochettes à maquillage, tout ça. Après ça, genre, on a des produits ménagers. Ça, c'est tout comme les mousses, ben pas shampoing, mais spray net à ma mode. J'ai fait un ménage de mes pantalons. Là, ben, là c'est un peu le bordel encore, là, mais bref. Genre, toutes mes jeans, je les ai toutes classées, mes pantalons propres. Là, dans le bas, j'ai comme des sarraus quand je travaillais dans une résidence de personnes âgées. Puis en bas, c'est mes soutiens-gorge. Mais je trouve vraiment que ça fait du bien. J'ai jeté deux paires. Fait que je suis déjà quand même très fière de moi, là. Mais on dirait que, tu sais, on dirait que ça finit toujours par se ressembler à des maudits jeans, là. Tu mettons, eux, c'est vraiment plus mes préf, là, mes foncés, puis tout ça, mes blanches, mes noirs. Mais j'en ai plein des plus pâles que j'aime full, mais tu sais, ils finissent tout le temps par se ressembler, là, mais on dirait que je suis pas encore là à les laisser aller. Puis là, je veux faire. Je vais essayer de vous placer ici, là. Je veux faire comme mon tiroir à leggings et tout ça. Genre mon troisième tiroir, là. C'est vraiment tout le temps le bordel là-dedans. Puis là, je vais sortir avec vous. Ouais, c'est comme mes leggings. Tu sais, j'ai des leggings plus pour travailler, mettons, ou des leggings un peu plus propres, mais je voudrais que mes leggings plus propres, je les mets plus parce que je suis pas confortable dedans. Fait que je pense juste m'en débarrasser pour de vrai cette fois-ci. Tu sais, comme des leggings comme ça, là. Tu sais, ils sont maganés, là. Genre, tu mets avec un zip, mais je trouve ça tout le temps pratique. Tu mettons, moi, je travaille à la pharmacie, fait que j'aime ça avoir du linge un peu plus propre parce que je peux pas mettre de jeans, mais tu sais, je les mets pas parce que je suis pas confort. Fait que même si je garde, j'ai juste envie, comme, de peut-être à ma d'en racheter puis être. Sûr que je vais être bien dedans. Fait que je vais faire ça, puis je sais pas si ça va être aujourd'hui ou demain, là, mais il faut vraiment que je m'attaque à mes trois tiroirs, genre de haut. Puis là, je vais faire un gros ménage. Genre, moi, je sais pas si vous êtes du même genre que moi, mais du genre à faire. Peut-être. Là, je suis tannée, là. Parce que comme j'ai de la misère à les ouvrir, tu sais, ils ouvrent même plus là jusqu'au fond. Tu sais, place à ma nuit, il est tout le temps poussé, là. Je suis un peu tannée, puis. Veux pas, on met toujours le même. Ben, pas toujours le même linge, là, mais. Tu sais, je vais vraiment garder comme les essentiels puis tout ça, puis qu'est-ce que je veux le plus. Puis cet été, ben je vous l'ai déjà dit, mais je travaille au CPE. Fait que je vais juste être vraiment tout le temps confortable. Tu mettons des camisoles de sport comme ça. Tu sais, genre des t-shirts, là. Ça, c'est un t-shirt que je mets pour du sport. Mais tu sais, je vais mettre ça, genre, tout l'été. Fait que je vais me garder juste des t-shirts vraiment simples que je vais pouvoir mettre avec des jeans ou avec des leggings, comme tout l'été. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais faire mon tiroir de leggings, puis je vais vous montrer après ça le résultat, mais je suis sûre que ça va faire full du bien. Puis ben, on va s'en reparler après. Donc, ça donne ça pour mon tiroir. Je suis trop contente. Fait qu'ici, j'ai comme plus mes gilets longs. J'en ai une couple. Mais des petits t-shirts aussi. Puis ici, j'ai mes camisoles, autres gilets courts, mais comme vraiment plus en dry fit. Ça, c'est mes petites shorts vraiment courtes, comme confortables. Puis ça, c'est mes leggings, ma paire de jogging, puis. Ça, mes leggings, mais tu sais, j'en ai jeté une coupe, fait que je suis vraiment contente. Ciao, bye! Salut, toi! Et tant qu'à être partie, je vais faire mon tiroir plus de vêtements d'été, là. Ça, c'est genre mes robes, mes shorts, mes jupes. Genre, regardez, là, ça déborde, la gang. Il a fallu que je tire comme avant de commencer à filmer pour vous montrer. Fait que je fais ça, puis je vous montre après. Bon, fait que je suis super contente. Ça, c'est comme mes petites shorts. Excusez-moi. Vraiment confortable, mes jupes, ça c'est toutes mes robes, puis ici c'est comme toutes mes jumpers, one piece, je sais pas trop comment on appelle ça. Avec ça aussi, fait que je suis trop contente. Puis ça fait tellement du bien pour vrai, là il y a juste celui-là qui a un peu plus de difficulté. Mais ça fait trop du bien pour vrai, puis
Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'excuse, c'est vraiment un bordel là, sur le divan, mais comme... Je voulais vous vlogger. Hey, je m'excuse, j'ai encore... Ben, je m'excuse. Je m'excuserai pas, là. Mais j'ai encore fait des achats. J'ai vraiment de l'air, en ce moment, de dépenser souvent, mais je suis vraiment pas comme ça dans la vie. C'est juste parce que là... Genre, dans le fond, là, pour vous expliquer, je commence à travailler la semaine prochaine. Là, on est jeudi. On est jeudi. Puis je commence à travailler mardi prochain... Tu sais, quasiment temps plein tout l'été, là, je vais juste avoir une journée de congé par semaine, même il y a des semaines que j'en aurai pas. Fait que, tu sais, je suis vraiment... c'est comme vraiment mes deux dernières semaines de congé. Ben, c'était mes deux dernières semaines de congé, je sais pas si vous comprenez, parce qu'on dirait que ça fait deux semaines que j'ai l'impression que... je vous vlogue beaucoup, mais vous devez penser que je me pogne le bain pis que je fais rien, mais c'est vraiment juste parce que c'est mes deux dernières semaines de congé avant que je commence temps plein pour l'été, fait que j'en profite. Puis tu sais, toutes les sorties que je pouvais avoir, je les prenais. Pour sortir un peu de la maison. Mais là, j'avais full envie de vous vlogger puis de vous montrer mes achats parce que hier, OK, j'ai retourné faire des mini-commissions avec une de mes amies. Puis on a été aux Winners. Puis je suis trop contente parce que dans notre ville proche de chez nous, on est rendu avec un Winners. C'est pas mal notre magasin le plus beau de la ville, je vous dirais, là. T'sais, moi, j'habite pas proche de Québec et de Montréal ou de Sherbrooke. Ben, tu sais, c'est quand même, mettons, à une heure et demie. Un heure et quart, mettons. Fait que là, j'ai été là. Puis d'habitude, là, c'est vraiment pas mon magasin. Ben, je trouve ça vraiment le fun, je trouve qu'il y a des belles affaires, mais je suis pas capable de m'habiller là, j'ai vraiment beaucoup de la misère, on dirait qu'il y a tellement de trucs, fait que j'ai de la misère à magasiner là, mais mon amie Léane, je lui fais mention, c'est une pro du Winners, fait que elle m'a vraiment aidée, et on a vraiment trouvé trop des belles choses, fait que premièrement, je vais juste vous montrer, je me suis acheté une paire de chaussures, des souliers aux Ardennes. Moi, souvent, j'y prends là parce que j'aime ça. Ils coûtent pas trop cher. Puis, moi, ils nouent des souliers. Tu sais, je leur fais attention. Puis, tu sais, même si j'y prends ailleurs, ils vont me coûter genre 70$. Je trouve que ça revient un peu au même. Surtout pour qu'est-ce que je prends. Fait que je vais vous les montrer. Je les trouve tellement beaux et ils m'ont coûté 10$. Fait que regardez ça. Je les trouve trop beaux. J'avais. C'est de la collection, je pense, Ardennes Matte Plus. Là. Ben, en tout cas, je sais pas trop. Là. Matte Plus. J'ai déjà une paire comme ça, des roses. Je les aime tellement. J'y mets toujours l'été. Je suis super confortable. Fait que j'ai décidé de m'en reprendre des pareils. Là. Mais comme ça, noir, je les trouve trop beaux. Puis pour vrai, avouer que ça pourrait clairement être des souliers que j'aurais pu prendre genre au Spring ou quelque chose du genre qui m'aurait coûté beaucoup plus cher, mais qui aurait fait le même. Je sais pas trop, résultat là, vous comprenez là? Fait que 10$, tout était genre à 50% là, pour les souliers, fait que je suis trop contente. Et là, aux Winners, premièrement, je vais commencer, je me suis acheté une bougie. Je le sais que j'en ai pas besoin, je le sais qu'on en a beaucoup, je m'en fous. Fait que regardez ça, ok, c'est la plus belle bougie du monde là. Elle est trop belle, mais ça cause j'aime ça parce qu'elle est vraiment, vraiment grosse là. Puis tu sais, j'aime ça la faire en bois, c'est une 3 mèches. Ok, j'ai aucun mot, là. J'aimerais tellement ça vous faire sentir à travers l'écran. Ça sent l'homme. Genre, ça sent l'homme un peu avec les huiles essentielles. C'est de Naturel Essential by Aroma Light. Puis c'est la Calming Dry Food and Sea Salt. Fait que, c'est ça, ça sent comme le bois puis le sel de mer, je pense. Qui explique. Je trouve pas nécessairement que ça sent le sel de mer. Ben, peut-être un peu, dans le fond. Ça sent comme le bois puis l'homme, là. Je trouve tellement que ça sent bon, elle est trop belle, elle était à 12$, t'sais, c'est vraiment pas cher, je trouve, pour une énorme chandelle comme ça, tu sais, elles sont beaucoup plus grosses, je pense, que les Bath & Body. C'est une 397 grammes, puis c'est parce que j'ai une Bath & Body Works direct ici. Puis ça, c'est quoi? C'est une 3 mèches. Voyons, excusez, c'est parce que j'aimerais vraiment savoir. Ah non, ah ok, je suis surprise, il y en a plus dans elle. 411 grammes. Puis elle, c'est une 397 grammes. En tout cas, ben, tu sais, vous comprenez, mais tu sais, je pense que c'est la meilleure aussi qui est faite, là. Mais bref, je la trouve trop belle. Puis elle va sentir tellement bonne. On l'a pas encore allumée, mais je l'adore. Fait que 12$ pour cette belle chandelle-là. Ensuite de ça. Bon, premièrement, un achat un peu plus normal. Là. C'est juste une petite camisole bleue comme ça. Attention, Paul. Vraiment, je la trouve vraiment belle, full confortable. C'est vraiment un tissu genre confort. Puis elle m'a coûté, je pense, 9$. Puis je vais la mettre pour travailler au CPE cet été. Tasse-toi. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente de cette petite camisole-là, un petit basic. Ensuite de ça,
Je me suis pris cette trop belle petite blouse, là. Ben, je sais pas trop comment on appelle ça, là. Un petit chemisier, genre. Hey, là, là! Mon Dieu! Excusez. Fait qu'elle ressemble à ça. Puis j'aurais pas choisi de mettre des photos avec comme de try-on parce que, genre, je suis trop contente, là. C'est vraiment trop beau. Fait que cette belle petite chemise-là, avec les petits boutons, les petits froufrous, elle a des petits froufrous aussi en arrière, comme ça. Les manches serrées ici. Ici. Puis j'aime trop le petit fleuri. Je trouve que ça fait tellement été. Je trouve ça trop beau. Puis ça, c'est vraiment le genre de... comme chandail que j'aurais pu m'acheter sur Shein, parce que vous savez que c'est mon site, comme... Bref. Puis que j'en avais mis dans mon panier parce que je voulais commander au début de l'été. Puis finalement, je pense même pas commander. En tout cas, pas tout de suite. Fait que c'est ça. Je l'aime trop. Je l'ai pris dans le small. Elle coûtait, je pense, 14 ou 19. En tout cas, vraiment pas cher. Je la trouve trop belle. Petite peste. Après ça, une trop belle robe, elle aussi, j'aurais pas le choix de vous la montrer genre en photo dans mon miroir, là, parce que je l'aime tellement. Je suis contente parce qu'elle est assez longue, je vais pouvoir la mettre elle aussi pour travailler autant à la pharmacie, autant au CPE, puis autant pour la mettre chic, genre en mettant avec des petits talons si je vais super au resto. Fait qu'elle ressemble à ça avec une petite encolure comme ça, vraiment longue, elle a des poches sur le côté, je trouve ça tellement beau, ça fait full féminin. Fait que je l'aime trop. Pour vrai, elle a l'air de rien, là. Puis je pensais vraiment qu'elle allait tomber, genre, de même, comme, puis ça me... Tu sais, ça ferait pas, mettons, de forme, rien. Mais vraiment pas, là. Ça ajuste vraiment bien à mon corps, puis je suis vraiment contente. Elle était, je pense, c'est ça le plus cher, le 29,99, mais je trouve vraiment que c'est une belle robe, je suis contente. Tu sais, je vais la mettre beaucoup cet été. Et ça, là, ce morceau-là criait mon nom, là, sans joke. La semaine passée, j'ai été à Lévis avec une de mes amies à son appart. Bref, on a été aux Winners, puis aussi, puis j'ai rien trouvé, mais j'avais trouvé, j'avais vu ce haut-là, léopard, tellement beau, puis je l'avais pas essayé parce que je pense qu'on pouvait pas essayer aux Winners, ou je sais pas trop, tu sais, je l'ai vu, mais je sais pas trop, ça me tentait pas tant de magasiner, je me souviens plus, mais là, genre quand je l'ai vu, il y avait aucune chance que je repasse à côté, là, c'est un peu comme, comme l'autre que je vous ai montré, les manches serrées au bout. Genre, le motif est tellement beau. Puis c'est ça, il y a des petits volants dans le bas. Ici, c'est quand même un peu plus serré. Oh, je l'aime tellement, là. Fait qu'en tout cas, là, je vais vous remettre des photos, là. Je suis trop contente, pour vrai. C'était tellement des beaux achats. Je suis contente parce que la semaine passée, justement, j'ai été magasiner à Québec vendredi. Puis genre, j'ai pas trouvé de beaux hauts comme ça, là. J'ai surtout trouvé des petites affaires confortables. Mais là, je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ça. Fait que vous me direz, c'est quoi votre morceau préf? Mais personnellement, là, ça, je suis en amour. Genre, j'imagine déjà ça avec mes pantalons foncés, du Hollister, puis mes petites chaussures comme ça, là. J'ai dit à Sam hier que j'avais hâte qu'ils me sortent pour que je puisse mettre mes boîtes vite. Fait que là, je suis vraiment de bonne humeur, là. J'ai été marcher à matin, ça fait du bien, là, parce que maintenant, je suis un peu poquée, pour être honnête. Genre, il fait vraiment chaud. Ben, en tout cas, hier, c'était vraiment humide. Moi, l'humidité, là, ça me détruit bien raide. Puis comme chez nous, on n'a pas d'air clim. Parce que ma mère, est frileuse. Puis c'était comme un peu humide dans notre chambre. Tout, fait que j'ai comme moyennement bien dormi. Mais j'ai été prendre vraiment une trop longue marche. Ça a tellement fait du bien. Puis il fait comme froid dehors. Il vente, là, mais il fait beau gros soleil, mais il vente. Fait qu'on dirait que ça m'a vraiment aéré l'esprit. Et là, je pense que je vais essayer le match-up. Parce que je vous ai même pas montré ma commande David City, je pense. Je pense que je vous l'avais dit, dans le fond, que je m'étais commandé du David City avec une de mes amies parce que il y avait quand même des gros soldes. C'était genre, tu n'achètes deux, t'en as un gratuit. En tout cas, quelque chose du genre. Ça a vraiment pas revenu cher pour moi et mon amie, mais qu'est-ce qu'elle a commandé. Fait que je me suis pris deux thés, plus d'été que je vais pouvoir me faire froid. Fait que j'ai pris le punch des îles. C'est un thé noir. Il sent tellement bon, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça sent trop bon. Puis, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Puis, j'ai le goyave à gogo. Que lui, là, ça va être clairement mon préf. Genre, ça n'a aucun bon sens comment ça sent bon. Ça sent les framboises, là. Ça sent trop bon. Puis, lui, c'est une infusion de fruits. Sans caféine. L'autre, y a-tu de la caféine? Un peu de caféine. Caféine faible. Et je me suis acheté mon petit paquet de matcha comme ça. Fait que je suis vraiment contente. Moi, j'ai jamais essayé le matcha, OK? Mais là, c'est vraiment comme des petits sachets comme ça, comme Insta, mettons, là.
Fait que j'ai vraiment envie d'essayer ça, mais j'aimerais ça savoir comment faut que je mette d'eau. Ok, 237 ml. Fait que je pense que je vais essayer ça, la gang. Puis on va essayer ça ensemble. Je suis un peu stressée pour être honnête, là. Genre, je sais pas si ça me tente de boire ça ou de boire mon café glacé. Je suis vraiment en grosse... Ou demain matin, je vais me faire un café glacé vu qu'on est vendredi. Je suis un peu gaga de même, là, que genre, le vendredi, c'est comme ma récompense puis je me fais un bon café glacé. OK, fait que je pense que je vais essayer ça, mais je vais vous vlogger pendant, là. Bon, mon Dieu, j'ai fait tomber des trucs. Je suis en train de faire bouillir mon eau, mais je sais même pas s'il faut que je la fasse bouillir. Genre, je veux pas que ça soit trop chaud non plus, là. En tout cas, j'ai mis de la glace dans mon beau verre que j'aime trop. Là, je me suis mis un peu de lait dans un verre. Je vais mettre un mini peu de sirop. Parce que je sais pas si c'est sucré du matcha. Je vous jure, j'ai jamais goûté à ça. Et là, je vais essayer de faire mousser mon lait, OK, la gang? J'ai aucune idée comment ça marche. Faut-tu que je tombe? Ouais, ça a l'air à mousser. Ça a l'air d'avoir moussé un peu. Puis là, je vais arrêter ma... Je veux vraiment pas que mon eau soit trop chaude. Ouais, ça l'a moussé. Je sais pas si ça va être bon. La gang! Je serai jamais barista dans ma vie. Hein. Pourquoi quand c'est de même, ça, c'est full fort, pas quand c'est dans l'eau, ça, quand c'est dans le lait, ça l'est pas. En tout cas, bon. Ben, ça donne quand même une belle petite mousse. Mon verre est pas très beau. Hein. Désolée. Bon. Là, qu'est-ce que je fasse? J'ai juste lu qu'il fallait que tu le mélanges à l'eau. Bon. Je vois. Oh, ça sent super bon, par exemple. OK. Ah oh, non, je suis tombée de non. Je l'ai versé dans un verre, mais. Dans le fond, c'est pas tant. Il aurait fallu que je vais le mettre là-dedans. Je vais le mettre dans ma. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment, vraiment beaucoup la pêche. Fait que je suis contente. C'est ça qui c'était ça le but. Et là, il faut que j'en mette environ 237 ml. Fait que... Puis il paraît que ça se mélange tout seul. Là, mettons environ comme ça. Là. Ça me c'est beaucoup. Ok, c'est vraiment beaucoup vert. La gang, j'ai peur. Je vais prendre une ici en restant un petit peu. Là. Ok, ça a l'air vraiment dilué par contre. Fait que là, mettons dans ma tasse. Hé, hey, vous allez tellement me trouver incompétente. Aucun bon sens. Il n'y a pas de mouton. Bon, après... Il me semble que ça sent tout en bon. OK, je vais le verser sur ma glace. OK. C'est intriguant. Je vais verser mon lait. Oh, c'est super beau par contre. OK. Ben... Pour être honnête, je trouve pas que ça a l'air terrible parce que ça a l'air être qu'est-ce que j'ai vu. Mettons des personnes qui buvaient des matcha. Moi, la seule affaire, c'est que j'ai peur que ça soit pas sucré. OK. Fait que je brasse. Je suis pas game, là. OK. Miam! La gang, c'est bon! Paul! Non, 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 je suis cul. Pour être honnête, il est comme tiède. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il aurait voulu que je fasse d'autre pour qu'il soit froid, même si j'ai mis full de glace. Mais là, mes glaçons, ils ont fondu, c'est ça. Hein? Non, mais là, là, là! Ça, je pense que j'aurais jamais pu avoir. C'est hilarant. Je vous le jure, c'est bon.
Ça goûte la pêche, ça goûte le thé aux pêches. Moi, là, chez Starbucks, c'est rendu que je prends. Ben, ça fait genre 3 fois peut-être que je prends ça. C'est le thé. Thé vert, limonade, glacé, pêche, aux pêches. En tout cas, quelque chose de même. C'est une de mes amies qui m'avait conseillé ça. Puis, je prends toujours ça, ce rendu, puis je trouve un peu que ça goûte ça. Puis, c'est sucré juste assez. C'est pas sucré nécessairement. Ok, là, il est plus froid, là. Je suis sur les fesses, là. Aucun bon sens. Fait que, la gang, j'ai testé le matcha aux pêches du David Tea et j'ai aimé ça. Non, mais j'espère que vous allez rire, là, parce que... Vous allez me trouver zinzin, là. Pour vrai, là, j'avais tellement peur. À matin, j'étais quasiment stressée de me faire ça parce que j'avais peur de pas aimer ça. Mais là, après ça, il va me rester aux fraises et aux bleuets. Fait que vous me direz dans les commentaires si ça vous tente que je teste ça en même temps. Pour voir si je les aime plus que les autres. Dites-moi aussi si ma technique était bonne. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai fait bouillir un peu mon eau. Tu sais, j'ai mis mon sachet. Après ça, je l'ai... Tu sais, dans le fond, c'est ça, là. Je sais pas si vous savez, mais c'est vraiment des petits sachets comme ça, instantanés. C'est pas vraiment de la poudre. Puis c'est pas avec le fouet comme en bois. Mais je pense que je l'ai eu. Après ça, je l'ai mis sur glace. J'ai fait mousser mon lait. Je me suis vraiment pas pris pour de la merde. Puis j'avais mis un peu de sirop. Non, pas sur la table. Parce qu'on veut pas l'habituer qu'il y ait sur la table. Mais en tout cas, fait que je pense que je l'ai eu. Puis là, ben après ça, ça va être de tester mes thés. Mais ça, c'est sûr que ça va être full bon. Puis mon mousseur, là, il va super bien. Ça aussi, dites-moi si je l'ai bien eu, là. Mais faites mousser dans mon verre. C'est bon, puis je capote. Je suis sincèrement sur les fesses. Donc, merci d'avoir assisté à ça. J'ai pas d'autre chose à dire. Donc, on se retrouve pour faire enfin le ménage de mes deux... Ben, de mes... Moi aussi, il faudrait que je le fasse, mais comme je sais pas si vous voyez... Hein. Mais c'est quand même pas si mal rangé. Genre ça, c'est le seul que j'ai gardé propre. Mais là, regardez. C'est un peu le dawa, pour être honnête. Fait que je vais faire ça, puis je vais vous montrer après ça qu'est-ce que j'ai jeté, qu'est-ce que j'ai pas jeté. Mais j'ai tellement de trucs, faut vraiment que je me débarrasse de des hauts, parce que ça va pas. Donc, la gang, je crois qu'on a quelque chose. Allez, là, ça fait genre 2 heures que je fais ça, oh mon dieu. Fait que là, j'ai fait tous mes t-shirts, chandails plus longs, là, j'ai décidé de toutes les mettre comme ça, genre, est-ce que c'est à la Marie Kondo? C'est ça qu'elle fait, hein? T'as la madame full hot, là, d'organisation, bref, on s'en fout. Mais je les ai installés comme ça, puis pour vrai, alors, c'est fait que je me rends compte que j'ai du linge que j'aime pas tant, mais que je garde, parce que là, cet été, justement, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je vais travailler au CPE, fait que j'ai juste du linge vraiment confort, là, genre, tous ces petits t-shirts-là, genre, c'est pas la beauté divine, mais garde, ça, c'est mes petits t-shirts, bref. Puis ici, là, j'ai toutes comme mes petites blouses, tu sais, ça, c'est vraiment un tiroir que j'aime. Et j'ai décidé d'en faire aussi dans mon garde-robe. Là, ici, là, j'ai comme mes vestons, plus vestes, toutes mes chandails de laine. Après ça, j'ai toutes mes cotons wattés, mes par-dessus, puis mes chemises. Fait que je pense qu'on a quelque chose. Je suis quand même bien contente. J'ai jeté tout ça. Ça me fait trop de la peine, là, une petite veste comme ça que j'ai vraiment beaucoup mis. Mais tu sais, je constate plus que je vais mettre ça non plus. J'ai jeté comme... C'est une affaire comme Adidas, c'est ça, vous avez déjà eu ça quand vous étiez jeune. Des chemises, des t-shirts, des camisoles. Tu sais que ça me fait un peu de la peine de me départir, mais comme pour être honnête, j'y mets pas puis j'y mettrai pas non plus. Fait que je pense que c'est sûr, là, à un moment donné, je tire, mais j'y mettrai pas. Puis je pense que je vais terminer le vlog ici parce que ça fait quand même un petit bout que je vous parle. Puis j'ai pas mal tout dit qu'est-ce que j'avais à dire. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, je vous aime tellement. Genre, je suis vraiment toujours contente de vlogger puis de vous apporter dans mon petit quotidien avec moi. Puis de vous avoir fait découvrir ma passion pour le match. J'espère que vous allez rire. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye!